Ah ben, Joséphine, ma sœurette, ça parle au yard. Quel bon vent t'amène dans le fin fond du bois pour voir ton ermite de frère? J'ai peur qu'il s'agisse plutôt d'une tempête. Monsieur le curé a perdu la tête puis m'a sauté dessus comme un démon pendant que j'époussetais la sacristie. J'ai tenté de le repousser d'un coup de candélabre, mais la chandelle est tombée par terre puis l'église de Val-aux-Loups a pris feu. Depuis lors, toute la paroisse me dit coupable. Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Entre, reste pas planté là sur le cadre de la porte. Ben, c'est que, tu vois, Jacques, je suis pas seule. Je suis pas là de gaieté de cœur, là, frère. T'en fais pas. Sans Joseph pour me protéger, les villageois m'auraient déchiqueté en lambeaux sa grande place. Il peut plus vivre là-bas, lui non plus. Je t'en prie, Jacques, pour l'amour de notre mère, laisse tes rancunes de côté puis accepte de nous héberger tous les deux. Avez-vous entendu dehors? Il y a probablement un carcajou qui effraie nos picouilles. Tant qu'à vivre à mes dépens, mon petit Joe, aussi bien te rendu-t-il? Fais-le fuir. Pendant ce temps-là, m'a chauffé du thé pour la sœur. T'as d'affaires à prendre soin d'elle. Elle est fiévreuse. Ben, Jériboire, les chevaux sont morts. Pis ton carcajou ressemble pas mal plus à un loup, mon petit Jack. Sa meute doit être d'un parage. Vers le village qui brûle. Je crois que je vais rester pris avec Jack plus longtemps que prévu. Bonjour, ici Brian Perrault. Laissez-moi le plaisir de vous guider dans l'univers de Sang-Froid. Vos points de vie sont représentés par le cœur rouge au bas de l'écran et vos points d'endurance sont représentés par la barre verte. Votre endurance se vide à chacun des coups que vous donnez. Si vous n'avez plus d'endurance, vos coups sont ralentis. Chaque fois que vous blessez un ennemi, vous accumulez de la rage. Le feu dans l'interface et sur votre hache vous indique que votre rage est chargée. Appuyez sur le bouton droit de la souris pour relâcher la rage accumulée. Pour éviter les attaques des ennemis, vous pouvez effectuer une roulade avec la barre d'espacement. Attendez pitié de moi! Au rapport, le Dieu, aidez-moi! Le fusil. Chargez votre fusil en maintenant la touche CTRL. Pour accélérer la recharge, appuyez de façon répétitive sur le bouton droit de la souris. Cette icône apparaît lorsque votre fusil est chargé. Votre mire est rouge si vous n'avez aucune cible ou que celle-ci est hors de la portée de votre fusil. Elle deviendra jaune lorsque vous visez un ennemi. Si vous visez précisément la tête d'un ennemi, votre mire deviendra verte pour effectuer un tir parfait, causant ainsi plus de dégâts. Appuyez sur le bouton gauche de la souris pour tirer.
La quantité de balles que vous possédez est indiquée dans le coin inférieur gauche de l'écran. C'est le bon Dieu qui vous envoie. Sans votre aide, là, j'aurais été mangé comme un lièvre. Difficile de te manquer, Meunier. Pense qu'on t'a entendu jusqu'à Québec. Soyez sur vos gardes. Il y a une meute de loups enragés qui court dans le parage. Ils sont combien? Des dizaines, des centaines, peut-être, ben. Ils bloquent même le chemin vers mon moulin, par là, à l'est. Allez voir par vous autres même, si vous voulez. Moi, je courrions me cacher à la Wood Company. Le facteur d'intimidation. Lorsque vous entrez en combat, l'indicateur du facteur d'intimidation apparaît au bas de l'écran. Cet indicateur représente le temps dont vous disposez avant qu'un ennemi vous attaque. Plus votre ennemi vous craint, plus la distance entre vos deux icônes est grande et plus vous disposez de temps avant la prochaine attaque. Au fil du temps, votre ennemi devient moins intimidé et la peur qu'il ressent à votre égard diminue. Ainsi, vos deux icônes se rapprochent. Lorsque le facteur d'intimidation de votre ennemi est égal au vôtre et que vos icônes sont en contact, il vous attaque. Attention! Même s'il est intimidé, un ennemi vous attaquera toujours s'il se trouve trop près de vous. Il est donc préférable de garder vos distances des ennemis intimidés lorsque vous n'avez plus d'endurance. La gestion des meutes. Lorsque plusieurs ennemis vous attaquent en même temps, vos chances de survie sont minces. Il est donc important de savoir intimider vos ennemis pour espacer les attaques. Vous pouvez intimider vos ennemis de deux façons. Premièrement, lorsqu'un ennemi reçoit des dégâts, son facteur d'intimidation diminue. Deuxièmement, cette icône au bas de l'écran représente l'une de vos aptitudes spéciales. Le cri d'intimidation. Appuyez sur la touche Q pour crier et tenter d'intimider vos ennemis. N'oubliez pas, la distance entre les deux icônes représente le délai avant la prochaine attaque. Utilisez ce temps pour recharger votre fusil et reprendre votre endurance. Finalement, le symbole de patte de loup indique le prochain ennemi qui vous attaquera. Méfiez-vous toujours de celui-ci. Ah!
C'est bien mon frère, ça. J'ai pas le dos tourné deux secondes qui se met dans le trouble. Je suis mieux de retourner à la cabane au plus sacré. Mais surtout, je vois les bêtes. C'est le diable qui les envoie. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Elle s'est mise à trembler comme une folle, à pousser un cri terrible, puis à tomber par terre. Je t'avais demandé de veiller sur elle, Batince. J'ai rien pu faire. Faut aller chercher le docteur La Montagne. Je sais pas comment c'est arrivé, mais le pont qui mène à Valoulou a brûlé. Va falloir attendre demain matin.